Alors, voici, venez écouter l'exercice numéro 2 de Morning, le A de Morning. C'était notre exercice précédent, de la vidéo précédente. Alors, maintenant, on va passer sur un troisième exercice, toujours sur une improvisation, mais improvisation, on va se servir des guide tones. Alors, guide tones, c'est quoi? On va reprendre notre premier exercice où il s'agissait de trouver les notes des accords et les modes correspondants. Alors, si je reprends notre premier accord, Fa mineur 7, Fa, La bémol, Do, Mi bémol, nous a donné le mode dorien, Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Do, Ré bécard, Mi bémol, Fa. Les guide tones, ce sont les tierces et les septièmes des accords. D'accord? Ce sont les notes caractéristiques. Celle qui donne le plus de couleur à l'accord. Donc, pour Fa mineur 7, notre premier guide tone, c'est la tierce mineure, La bémol. Notre second guide tone, c'est la septième mineure, Mi bémol. Pour La bémol 9, c'est la tierce Do. La septième mineure, Si bémol. Pour Sol 7, c'est la tierce majeure, Si. Et la septième mineure Fa pour Do 7 sus 4 pour nous ça va être Fa là cette fois-ci on va pas utiliser la tierce le guide tone c'est la note qui va donner le plus de couleur ici c'est pas la tierce parce que normalement elle n'est pas comprise dans l'accord on est bien d'accord c'est le Fa et l'autre guide tone c'est le Si bémol pour le Do 7 ici ça va être Mi bécard. Et le Si bémol. Donc maintenant, on va passer à notre exercice. Alors voilà, on va l'écouter. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Alors, j'ai fait attention à ce que la fin ici, il n'y ait pas de résolution dans la boîte 1, mais que la résolution soit dans la boîte 2. Et après, j'ai utilisé les guide tones de la façon suivante. Je les ai utilisés sur le premier temps ou en anticipation ou en retard du premier temps. Alors, on va déjà les repérer, ces guide tones. On regarde pour le Fa mineur 7. Premier guide tone ici, donc c'est la septième mineure. On le retrouve juste ici après, c'est la tierce mineure. Voilà. Ah, on continue, on avance. Ici, on a le sol bémol, c'est la septième mineure. Ici, on a le do. Qui est la tierce majeure. Ici, on a la tierce majeure. Ici, on a la septième mineure. Ici, on a la quarte. Ici, on a la tierce majeure. Ok, donc on revérifie ça. Pour Fa mineur 7, on retrouve Mi bémol qui est la septième mineure, La bémol qui est la tierce mineure de Fa mineur 7, on est d'accord. Ici, La bémol 9, on retrouve le Sol bémol qui est la septième mineure. Ici, on trouve le Do qui est la tierce de La bémol, on est bien d'accord. Ici, Sol 7, on a Si bécard, c'est la tierce majeure. Fa, c'est la septième mineure. Do 7 sus 4, Fa, c'est bien la carte suspendue de Do, du Do 7, c'est la carte de Do. Et là, on a bien la tierce mineure, la tierce majeure, pardon, de Do 7. Ok, très bien. Ça, on est d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait par la suite? Mes guide tones, j'ai utilisé les anticipations ou les retards. Donc ici,
Pour le mi bémol, on est sur le temps. Rien de spécial à dire. Ici, là, on reconnaît anticipation. Le sol bémol, à nouveau anticipation. Joli ça. Anticipation du sol bémol. Qu'est-ce qu'on a ici? Le do qui est en retard. Le do arrive en retard. Le si bémol, on est sur le temps, pas de problème. Le fa ici, c'est une anticipation. Très bien. Le fa qui est ici, c'est un retard. Hein, la carte arrive en retard. On trouve d'abord la quinte et on descend sur la carte. Et ici, on tombe sur le temps. Donc, rien à dire pour celui-là. Voilà. On a repéré nos anticipations et nos retards. Qu'est-ce qui nous amène à chaque fois sur les guide tones? Ici, là, on va regarder. On a une descente diatonique, enfin une descente qui appartient au mode. Toutes ces notes appartiennent au mode de fa dorien. D'accord, donc on descend. Très bien. Ici, là, on a ce qu'on appelle enclosure. Encore un terme anglais que je ne sais pas traduire. D'accord, donc ici on a une enclosure. Là, on retrouve, alors on va l'écouter celle-là. Là, on retrouve notre triolet bebop de la dernière fois. Donc je vais le noter, pareil. Bien que, on peut dire que ce qu'on appelle les enclosures, là, et ça fait, c'est vraiment caractéristique aussi du bebop. Hein. Voilà, bebop, là, on a ce triolet bebop qui nous amène sur une montée diatonique vers le retard ici. Là, on a à nouveau une descente diatonique. Là, on a à nouveau une enclosure. Voilà, on peut l'écouter. Caractéristique. Là, on a un arpège. Alors, un arpège de sol, mais au lieu de sol, on est toujours en sol, on est toujours sur sol 7, sauf qu'on va le commencer ici avec bémol 13. Hein. Donc je vais noter ça. Donc on a arpège commencer sur bémol 13. Il manque des lettres. Hein. Ouais, on va prendre ça, on va le descendre. Ok, arpège commencé sur bémol 13. Ici, on a un jeu rythmique avec, on reconnaît de cette note jusqu'à cette note, on reconnaît la syncope sur un temps, sur deux temps, pardon, syncope sur deux temps, avec sol, fa, sol, fa, sol, fa. Donc, un jeu rythmique, un décalage rythmique. Sol fa mi, une descente diatonique qui nous amène au mi bécar, donc rien de spécial. On pourrait noter quand même ça dans l'analyse complète. On a descente diatonique. Alors, descente diatonique qu'on a ici, et qu'on retrouve. Ici, elle est très courte. D'accord. Et si on va jusqu'au bout, là, on a fa, ré qui nous ramène au mi bémol du début. Donc, on a une enclosure. D'accord. Peut-être que le mot qui se rapproche le plus en français d'enclosure, c'est encerclement. Donc on écoute l'enclosure. Ok, on est bien d'accord. Donc, on va réécouter notre descente diatonique ici. Très bien. Enclosure. Ok.
Trio les bebop. Alors, évidemment, qu'ici, j'ai dit que c'était montée diatonique. Avec montée diatonique. Qui nous amène sur le retard. Descente diatonique à nouveau. Ok. Une enclosure. L'arpège commencé sur bémol 13. Dessin diatonique et à nouveau une enclosure. Ok, donc c'est que des de la théorie appliquée. Voilà, tout porte un nom. Alors, donc c'est à vous de vous faire maintenant une improvisation qui a pour sujet les guide tones avec retard ou anticipation et pour aller vers les guide tones, à chaque fois utiliser soit une descente diatonique, soit une enclosure. On peut rajouter un triolet bebop ou une montée diatonique. Voilà. On va réécouter l'ensemble. Faites un bon usage.